Salut, c'est Sam, une nouvelle vidéo qui va porter sur le gaz naturel et comment l'exploiter. Donc on va faire ça pas à pas. Donc là on imagine en fait qu'on découvre une fumerole à gaz naturel. Une première étape, déjà procéder à l'accès. Donc vous allez miner donc la zone comme ceci. Là vous faites un accès. Voilà. Et avant en fait de percer la salle de gaz naturel, je vous invite à faire un waterlock. Donc c'est une astuce qui permet d'éviter de mettre du gaz naturel de partout. L'idée c'est pas tant d'éviter d'injecter du gaz pollué à l'intérieur, qui en soi n'est pas gravissime, c'est plus d'éviter les fuites de gaz naturel, qui est un gaz extrêmement chiant, puisqu'il est semi-léger, et du coup à terme il va se balader dans votre base et tout. Donc pour ce faire, on fait ce qu'on appelle un waterlock. Donc vous faites un V comme ceci. Donc il en existe plusieurs, mais je vous montre le modèle que j'affectionne. Vous faites un V comme ça avec des dalles. Vous laissez ici deux dalles de hauteur. Vous faites comme ceci. Vous relaissez ici deux dalles de hauteur ici pour que les piquants puissent passer. Et vous collez ensemble comme ceci. Donc vous voyez ici deux dalles et ici deux dalles. Ensuite, vous allez mettre un robinet. Vous choisissez de l'eau. Pensez également à cocher l'option activer la mise en bouteille, pour que grâce à votre puits qui est ici par exemple, les lubrifiants fabriquent des bouteilles d'eau et les mettent dans votre waterlock. Donc concernant les quantités, première dalle doit être remplie minimum à 999 kg, voire une tonne d'eau ici. Puis au-dessus, quelques dizaines de kilos d'eau suffiront pour faire une bulle suffisante pour pas casser le waterlock. Dès que vous avez assez d'eau, vous pouvez décocher ici pour arrêter la livraison d'eau. Une fois que vous avez fait ça, que je peux également vous conseiller, qui n'est pas forcément obligatoire dans cette situation, du coup on a déjà de l'oxygène pollué à l'intérieur, mais on va dire si vous voulez faire un truc propre, vous mettez une pompe là, voilà, vous la branchez, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fait, on va vider les gaz qu'il y a ici. Comme ça, on partira sur du vide. Ça évitera d'injecter du gaz à l'intérieur. En fait, le waterlock évite les échanges de gaz entre ici et ici. Donc là, on fait le vide. Le vide est obtenu quand vous avez la petite flamme barrée sur la pompe. Là, ça veut dire que vous êtes sous vide. Évidemment, on enlève la pompe. Vous enlevez tout le montage. Une fois que c'est sous vide, ça ne sert plus à rien. Voilà. Et là, comme ça, vous n'injecterez pas de gaz à l'intérieur. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir casser ici. Ouais, forcément le gaz naturel va être là, mais ça c'est pas grave. Ensuite, nouvelle étape, analyser le geyser pour connaître son débit réel, parce qu'il y a une période active et une période dormante. Et pendant la période dormante, le geyser ne produit pas de gaz naturel. Il faut pour ce faire un scientifique tier 4. Moi je suis en mode console, donc je peux l'analyser directement. Voilà, ça met une balise comme ceci. Prévoyez quand même une exosuite comme ça pour l'analyser. C'est faisable sans si ici vous avez de l'oxygène, mais c'est plus quand même confortable une exosuite, mais ça reste quand même faisable sans une exosuite. Hein. Mais c'est pas très confortable maintenant. La fumerole est analysée. Là vous avez tous les chiffres. Donc si vous voulez le faire à la main, qu'est-ce que vous faites? Ça divisé par ça, entre parenthèses, le résultat entre parenthèses. Ça divisé par ça. Résultat pareil entre parenthèses, et ensuite vous allez multiplier les deux résultats obtenus au débit qui est ici. Classiquement, si vous voulez pas vous prendre la tête avec les calculs, vous divisez ce chiffre par deux et vous tomberez à la louche sur le débit réel, en fait sur le débit moyen de la fumerole. Parce que globalement, les débits des fumerolles lissées sont aux alentours de 40-50%. Si vous voulez pas non plus vous casser la tête avec les maths, vous pouvez utiliser un calculateur. Donc il y a par exemple ceci qui est vraiment très bien. Vous choisissez ici Natural Gas Geyser. L'éruption output, donc c'est ce chiffre qui est ici. Donc 291.3, sachant que je le rappelle, ce chiffre est aléatoire. Il y a des fourchettes de débit qui sont générées aléatoirement. Ensuite, l'éruption cycle, donc c'est ici. Donc c'est ici, c'est éruption période, 478.735, 478.735. Et ensuite, et enfin d'ailleurs, la période d'activité, donc qui est ici, 61.6.157. Voilà, et là, vous cliquez après sur la page n'importe où. Donc là, nous avons trois résultats. L'éruption globale qui est à 291. Donc ça c'est le chiffre qui est affiché classique dans la fiche de la fumerole. L'éruption par cycle, donc ça concerne uniquement la période active. Donc en fait c'est le débit moyen durant les cycles actifs, donc on est qu'à 189. Et la vraie période qui nous intéresse, c'est l'activité par cycle. Donc là c'est la moyenne de débit entre la période active et la période dormante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que vous pouvez consommer 111 grammes de gaz naturel par seconde de façon lissée et continuelle sur la période active et dormante. Et que tout le reste, puisque évidemment vous aurez du gaz naturel excédentaire, et bien tout ce gaz naturel excédentaire, il faudra le stocker pour la période dormante.
concernant le stockage de gaz naturel, trois solutions. Donc tout d'abord, la solution la plus simple, prévoir une grande salle de stockage. Donc ça peut paraître surdimensionné, mais cette dimension est la taille minimale que je pourrais conseiller pour une fumerole dans une optique de consommation alternative, c'est-à-dire que vos générateurs ne consomment pas en permanence le gaz naturel, et c'est ce qu'on retrouve classiquement sur les parties. Voilà, il faut au moins prévoir une salle assez grande comme ça. Pourquoi j'ai des cuves et à la fois du gaz naturel dans la salle? C'est pour augmenter les capacités de stockage de la salle, puisque sur cette même zone, j'ai à la fois 150 kg de gaz naturel, plus dans la cuve, plus 20 kg de gaz naturel par mètre cube derrière la cuve. Du coup, ça permet d'augmenter la capacité de la salle. Concernant les canalisations, personnellement, ce que je fais, donc là, mon gaz de la fumerole arrive ici et je fais un réseau comme ça en série. Donc les cuves se remplissent jusqu'à en bas. Une fois que la cuve du bas est remplie, c'est l'autre qui se remplit, et ainsi de suite. Et ça remonte jusqu'en haut. Et une fois que toutes les cuves sont remplies, eh bien, ça va aller se vidanger ici. Donc là, pareil, je vous conseille une bouche d'aération à 20 kg pour potentialiser l'effet de stockage. Mais après, ça, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins de stockage. Pour calculer la superficie de la pièce, vous avez un site qui est très bien. Donc c'est ce site que je vous mettrai dans la description. Donc là, pareil, vous rentrez les chiffres du geyser. Et ici, on voit dépôt avec un dépôt de 20 kg par bloc. Donc là, ça compte pas les cuves. La fumerole va me remplir à hauteur de 3,3 blocs par cycle si vous ne consommez pas du tout le gaz. Donc là, on considère qu'on va consommer la moitié du gaz, donc on va partir sur un bloc par cycle. La fumerole, dans ma situation, produit, est active 60 cycles par période, donc ça va nous faire 60 mètres carrés par période d'activité. Alors, si vous ne voulez pas avoir une méga salle de stockage comme ça, vous pouvez utiliser une astuce qui utilise un glitch, c'est le stockage comprimé. Alors, il y a une version qui est glitchée et une version non glitchée. Donc la version glitchée est la plus simple, c'est de faire ceci. Vous mettez un robinet, vous mettez des bouches d'aération, de préférence des grosses, mais les petites, ça peut marcher aussi. Vous en mettez deux. Ici, vous mettez du crude oil, c'est du pétrole brut, puisque sinon l'eau va se vaporiser vu que le gaz sera à 150 degrés. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment que la quantité soit très faible, quelques centaines de grammes, pas plus. Donc, du coup, n'attendez pas que la bouteille se vide. Décochez, dès qu'il y a quelques grammes de liquide ici, vous décochez le crude oil, et comme ça, ça va enlever la bouteille et ça limitera le débit. Sinon, ça va être en surpression ici. Donc ça permet de noyer le capteur atmosphérique des bouches d'aération. Là, vous faites votre entrée de gaz naturel. Très important également, il faudra des pompes en acier pour pouvoir tanker la chaleur. La quantité de pompes, ça c'est à vous de voir, une à trois pompes en fonction de votre capacité à fournir des générateurs. Et comme ça, là vous n'aurez pas de limite de stockage du fait de ça. Vous pouvez stocker plus de 20 kg de gaz par mètre cube. Et enfin, dernière possibilité, mais celle que je déconseille le plus, utiliser des portes séquentielles qui en fait compriment les gaz. Donc là c'est moins glitché parce qu'on glitche pas les gaz ventes, mais il faudra, avec une automatisation bien spécifique, créer une séquence d'ouverture et de fermeture de porte qui va forcer le gaz à s'accumuler au-dessus. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on a quelques centaines de grammes de destruction de gaz. Donc vous perdez un peu de gaz naturel, c'est pas la solution idéale. Soit vous utilisez la version classique, soit avec la noyade des gaz ventes, ça reste les deux meilleures solutions. Et pour les portes séquentielles, je referai une vidéo dédiée dessus, où on en reparlera de façon plus précise. Pour revenir rapidement au stockage classique, en sortie, je vous conseille de mettre une valve. Comme ça, vous pourrez régler votre débit d'extraction. Là, on sait qu'on ne peut pas sortir plus de 111 grammes par seconde, parce que sinon, on va complètement vidanger la salle et va consommer trop de gaz, et donc vous pouvez brider votre sortie de gaz avec une valve. Comme ça, vous aurez suffisamment de gaz pour la période dormante. Donc si on regarde le générateur, il consomme 90 grammes par seconde. Donc, du coup, la fumerole ne pourra soutenir qu'un générateur dans cette situation. Et ce sera souvent le cas. Notez que globalement, d'après mon expérience, une fumerole peut soutenir que 1 à 2 générateurs de gaz naturel. Alors vous allez me dire, oui, c'est nul et tout, mais il faut quand même pondérer ces propos, puisque personnellement, en réalité, par fumerole, j'arrive à mettre 4 à 6 générateurs de gaz naturel. Alors comment on fait? Il faut savoir que cela est rendu possible par le fait que votre réseau ne consomme pas forcément 800 watts en continu. Si c'est le cas, évidemment, si vous avez vraiment besoin de 800 watts, on va dire en gros 1000 watts pour chaque réseau de gaz naturel, là oui, en effet, ne prévoyez pas plus que 1 générateur, ou en tout cas 1 à 2 générateurs par fumerole, parce que là pour le coup vous serez en manque de gaz naturel durant la période dormante. Si vous avez un réseau qui consomme de façon sporadique l'électricité, pour voir ceci, vous survolez un câble électrique, vous regardez le circuit statut et le chiffre de gauche, les watts qui sont à gauche du slash. Si ce chiffre n'est pas en permanence à 1000 watts, vous pouvez envisager d'augmenter le nombre de générateurs, puisque en fait, vu que vous ne consommez pas 1000 watts en continu, le générateur va s'éteindre et donc il ne consommera pas en réalité 80.
30 grammes par seconde, mais souvent que 30 à 40 grammes par seconde. Donc du coup, augmentant le potentiel d'autres générateurs électriques. Donc également aussi, pour augmenter la capacité électrique de votre générateur, pensez à mettre une station, puisque la station électrique permet, couplée à un ingénieur électricien, d'augmenter de 50% la productivité de votre générateur. Maintenant, avant d'attaquer les générateurs, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, personnellement, je vous conseille dissocier votre salle de fumerolles et votre salle de stockage. Puisque, rappel important, la fumerolle, et ça c'est valable pour toutes les fumerolles, se bloque, même en période active, si la pression atmosphérique autour d'elle, que ce soit du gaz naturel ou autre, est supérieure à 5 kg par mètre cube. Donc là, dès que la pression va atteindre 5 kg par mètre cube, la fumerolle va se bloquer, sera en surpression, même si c'est en période active. Donc du coup, très très important, le délestage de la salle. Néanmoins, la problématique de délestage, on ne peut pas délester à 100% la salle, puisque sinon, on va avoir une température qui va monter à 150 degrés. Pourquoi cela? Bah, tout simplement parce que le gaz sort à cette température. Là, pourquoi mon gaz n'est pas à 150 degrés? Puisqu'on a un effet de masse. En fait, les 150 degrés sont diffus dans toute la masse environnante, à la fois la masse gazeuse et la masse solide. Mais si vous vous amusez à faire une salle fermée, comme je vous le conseille, et que vous pompez, que vous vidangez en permanence la salle, l'effet de masse sera annulé. Vous n'aurez que quelques grammes de gaz, et du coup, vous allez très vite monter à 150 degrés. Donc pour gérer cette problématique de température, parce qu'on l'a vu, il faut quand même casser la masse, en tout cas la masse gazeuse, pour éviter la surpression de la fumerolle. Donc deux solutions pour gérer la température. La solution la plus simple et la plus coûteuse, mettre deux plantes de glace. Ça, en termes de DTU, vous êtes obligé de mettre deux plantes de glace si vous voulez un truc ultra stable. Si vous voulez jouer un peu avec le feu, une plante de glace ça peut passer, mais c'est quand même limite. Si vous voulez un truc ultra stable, c'est deux plantes de glace, mais ce ne sera pas tout. Il faudra en fait appliquer toujours cette notion d'effet de masse dans la salle. Vous mettez une pompe avec un capteur d'automatisation pour en fait maintenir une certaine pression dans la salle. Ça va permettre de générer un effet de masse. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder 1 à 2 kg de gaz naturel dans la salle. Donc ça vous fera un mini stockage ici. Vous mettez actif si supérieur à 2 kg, comme ceci. Et donc, ça va permettre de maintenir 2 kg de gaz par mètre cube de pression dans la salle. Et comme ça, les plantes de glace, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont refroidir ces 2 kg de gaz. Et les quelques centaines de grammes à 150 degrés vont atterrir dans un nuage de gaz énorme qui va être froid. Et donc, du coup, bah, l'effet de masse froid étant supérieur à la masse chaude, eh bien, la petite masse chaude va être refroidi sans aucun problème. Néanmoins, prévoyez quand même une pompe en or, puisque on peut quand même malgré tout monter assez vite en température. Si vous voulez pas griller des plantes de glace, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille, il vous faudra une pompe en acier. Donc l'acier, ça se débloque avec la raffinerie à métal. Il faut trois ressources. J'ai fait une vidéo dessus. En gros, il faut du fer raffiné, du charbon raffiné et de la chaux qui se produit à partir des coquilles d'œufs ou des fossiles. Et l'avantage de la pompe en acier, c'est qu'elle va résister à 275 degrés. Donc, du coup, largement de quoi tanker les 150 degrés émis par le gaz naturel. Et là, vous pourrez complètement vidanger à 100% votre salle. Vous n'aurez donc pas besoin du coup de capteurs atmosphériques. Ensuite, on va aménager la salle. Donc, il va falloir miner ça. Donc là, on part dans une optique complètement fermeture définitive. Donc, il faudra miner tout ceci. Et c'est là où la question de l'isolation va se poser. Donc, l'isolation la plus simple mais la moins efficace, c'est avec la roche magmatique. Donc, simplement, bah, vous faites une salle. Bah, si vous avez de la bissaline, vous pouvez l'utiliser. Comme complément d'isolation. Voilà, vous entourez simplement votre fumerolle avec de la roche magmatique, voilà, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez votre salle fermée. Évidemment, pensez à faire le ménage avant de complètement fermer la salle. Et voilà. Donc ça, c'est un truc basique qui a le gros inconvénient. Si votre fumerolle est loin de la base, c'est pas très gênant, ce sera suffisant. Si votre fumerolle est proche de la base, ce qu'il faudra faire avec ça, c'est un double coffrage sous vide. Donc, vous virez le waterlock. Donc, évidemment, le gaz naturel, vous le récupérez avec une pompe et vous allez coffrer. Donc, minimum une dalle d'espace, une à deux dalles d'espace. Si vous n'avez pas de pompe en plastique, prévoyez deux dalles. Si vous avez une pompe en plastique, prévoyez une dalle, ça suffit. Et sur tout le pourtour, vous allez faire un double mur, comme ceci. Donc évidemment, il faudra miner avant. Là, je suis en mode console, donc je peux faire ça. Et d'ailleurs, en passant, si vous faites cette isolation, les matériaux ici n'auront pas besoin d'être isolés. Hein. Là, j'ai juste fait un truc évolutif. Voilà. Alors, voilà, évidemment, je ne vous montre pas le chantier en détail. Il faudra ramasser les ressources, il faudra remettre les ressources, voilà, etc. Voilà, vous faites le ménage. Voilà. Et avant de fermer, évidemment, votre salle, il faudra placer. Donc si vous avez choisi de mettre que deux dalles, vous placez une pompe comme ceci, tirez le câble, vous refermez et vous branchez votre pompe et vous allez laisser pomper tous les gaz qui vont se trouver dans la partie
intermédiaire entre les deux murs. Voilà, et vous finirez par avoir le vide, et vous allez créer un véritable vide en fait autour des deux murs. Du coup, qu'est-ce qui va se produire? Il n'y aura aucun échange thermique entre cette dalle et cette dalle, puisque dans le vide, les seuls échanges thermiques possibles sont par contact. Alors attention, si vous choisissez cette méthode d'isolation, il est impératif de partir sur le setup d'un plafond d'acier, puisque là en l'occurrence, les deux plantes de glace ne seront pas suffisantes, puisque là, vu que l'isolation est parfaite, le gaz, là, on va très, très vite monter en température, puisqu'on n'aura plus du tout de diffusion de température, et là vous allez très vite monter à 150 degrés, donc il faudra impérativement le plafond d'acier. Alors maintenant au niveau des générateurs, beaucoup de choses à savoir. Donc, typiquement le générateur vous pouvez les mettre où vous voulez, peu importe, à côté de la fumerolle, dans une armoire de stockage à distance, ça n'a aucune importance. Personnellement je vous conseille quand même néanmoins de les mettre assez proche de la fumerolle, puisque ça évitera de transporter du gaz chaud sur des longues distances. Donc là on va commencer déjà dans une optique, vous avez par exemple deux réseaux à 1000 watts qui tournent en continu à 1000 watts. Bon c'est relativement rare mais ça peut arriver. Donc là on l'a dit, si on a besoin de 1000 watts en continu, dans cette situation de fumerolles, je ne pourrais mettre qu'un générateur, puisque j'aurais besoin de 1000 watts en continu. Donc là, même en l'améliorant, on sera à 1200 watts. Donc en moyenne, on sera à 1000 watts. Donc là, on ne pourra mettre qu'un générateur. Donc, plusieurs problématiques autour du générateur. Déjà, je vous conseille de passer en calque des gaz. On le voit, il y a une entrée et une sortie. Donc l'entrée, évidemment, c'est le gaz naturel. Donc vous connectez simplement votre gaz naturel au générateur. Mais la vraie problématique, ça va être la sortie. Donc si on regarde sur la description du générateur, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le générateur produit 67,5 grammes d'eau par cycle, produit 67,5 grammes d'eau polluée par seconde et 22,5 grammes de CO2 par seconde. Donc du coup, cette sortie, ça va concerner le CO2. Ça veut dire que cette machine produit du CO2. Donc pour qu'elle fonctionne, vous devez impérativement avoir une sortie de CO2. Sinon, le générateur ne s'allume pas et si la sortie de CO2 est en surpression, le générateur s'éteint. Donc ça, cette sortie est extrêmement importante. Concernant l'eau polluée, eh bien, le générateur se contente de recracher l'eau polluée sur le sol. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faudra prévoir soit des dalles percées, comme ceci, pour que l'eau polluée arrive en dessous et qu'en dessous vous avez un petit bassin de recueil de l'eau polluée, soit laisser ruisseler l'eau polluée vers un autre bassin distant, ou si vous avez une grande salle de générateur, faire des sortes de S comme ça, des salles en S, où l'eau polluée va ruisseler jusqu'à un bassin qui sera en bas. Donc ça, c'est pas l'idéal comme j'ai fait ici. Que je vous conseille, donc soit à côté, soit à distance, c'est d'utiliser le filtreur à CO2 et de balancer directement votre CO2 dessus, pour être sûr que le CO2 est en continu à délester. Donc maintenant, nous allons voir une salle de générateur dans une optique où vous avez des réseaux de 1000 watts, mais qui ne consomment pas 1000 watts en continu. Donc on peut faire par exemple une salle de 96 mètres carrés, donc 24 de longueur par 4. Dans cette salle, vous allez pouvoir placer 3 générateurs. Les petits espacements ici sont ici pour les plantes de glace, parce qu'il faudra prévoir un bon système de refroidissement, puisque les générateurs produisent énormément de chaleur. Sachez qu'une plante de glace peut au maximum, si elle est plongée dans l'hydrogène, détruire 12 000 DTU par seconde, et que le générateur produit 10 000 DTU. Donc on le voit, une plante de glace minimum par générateur. Et il ne faut pas oublier les batteries aussi. Là, clairement, prévoyez minimum ça pour le refroidissement. Maintenant, qu'est-ce qui va nous manquer ici? Ça va être la gestion de l'eau polluée. Donc plusieurs solutions. Mettre des dalles percées sous le générateur et créer en dessous un bassin plus ou moins grand qui va accueillir les 3 générateurs. Évidemment, après vous mettrez une pompe à l'intérieur pour récupérer l'eau polluée. Un bassin aussi grand peut être nécessaire si vous n'avez pas une utilisation directe de l'eau polluée et que vous voulez avoir un stockage de délestage pour temporiser un peu l'afflux de l'eau polluée. Si vous êtes dans une situation où vous pouvez consommer assez rapidement l'eau polluée, vous pourrez tout à fait faire ruisseler l'eau polluée jusqu'à un petit bassin en extrémité et récupérer l'eau polluée avec une pompe. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre utilisation. Mais voilà en gros la logique qu'il faudra apporter au montage. Sur le plan d'automatisation, vous interconnectez une batterie pour chaque générateur, puis ensuite vous pouvez câbler en 2000 watts puisque les générateurs seront améliorés à 1200 watts grâce à la station, et donc ça vous fera 3 réseaux à 1200 watts pour votre base. Sachant que vous ne pourrez pas, avec une seule fumerole, balancer 1200 watts en continu x3. Ce sera vraiment des réseaux intermittents, ça faut bien le garder à l'esprit. Concernant la gestion du CO2, on l'a vu avant, maintenant vous savez quoi, qu'il faut le délester, et donc voilà, on va pas revenir dessus. Concernant le refroidissement, il faut savoir qu'il y a une autre astuce pour se passer des plantes de glace. Si vous disposez d'eau polluée froide, en tout cas d'eau polluée en grande quantité, minimum à 30 degrés, mais idéalement qu'un geyser eau polluée froide, ça c'est vraiment l'idéal. Mais même si vous avez un geyser eau polluée tiède, ça marche aussi. Vous pouvez mettre des tuyaux radiants, des canalisations radiantes de liquide, et vous allez habiller toute la salle avec la canalisation, donc comme ceci, et ça va faire un radiateur froid qui va capter la température et la transmettre à l'eau polluée. Et ça, c'est l'un des meilleurs refroidissements possibles pour la salle de générateur. Alors, on ne peut pas réutiliser l'eau polluée qui est ici, puisqu'elle sera bien trop chaude du fait de l'environnement chaud pour pouvoir permettre le refroidissement. Ensuite, en sortie de cette eau polluée, qu'est-ce que vous faites? À distance ou à proximité, vous mettez un filtre à eau et vous allez
connecter votre sortie d'eau polluée qui est désormais qui a été réchauffée et vous allez refroidir votre eau polluée avec ça. Comme ça, ça va fixer la température de votre eau polluée à 39 degrés. Voilà, ça permettra ensuite de réinjecter de l'autre eau polluée froide de votre ressource geyser ou autre pour refroidir en continu. Enfin, on va conclure sur l'utilisation du power transformer. Si vous souhaitez mettre en commun tous les générateurs et ensuite dispatcher l'électricité sur plusieurs réseaux, voici comment procéder. Donc, tout d'abord, vous allez prendre un câble à 20 000 watts. Vous allez câbler l'ensemble des générateurs et batteries ensemble. Puis, avec un bridge ou un pont, vous allez extraire le câble de la salle vers une salle avec un transformateur électrique. Donc là, la taille du transformateur électrique, je vous conseille le gros, puisque là, on montera quand même assez vite en joules. Étant donné que celui-ci est limité à 1000 joules, il sera un peu insuffisant. Donc, prévoyez directement un gros, en heure de préférence. Vous connectez le gros câble à la grosse boule. Et ensuite, vous allez rajouter des petits générateurs, des petits transformateurs électriques, maximum 4. En sortie, vous allez remettre un gros câble. Vous allez interconnecter tous les transformateurs. Et au final, vous aurez 4 réseaux de 1000 watts. Ou alors, si vous voulez du réseau de 2000 watts, vous pouvez faire juste avec deux power transformers, deux petits power transformers et deux câbles à 2000 watts. Alors vous allez me dire pourquoi on ne met pas simplement un gros câble, on câble pas simplement la base comme ça. On pourrait, le problème c'est qu'il y a un gros malus de décor avec le gros câble et c'est pour ça qu'en fait qu'on redispatche l'électricité avec les power transformers. Et l'avantage du power transformer, c'est qui permet de scinder les réseaux. Ici, en fait, ce réseau global est scindé en 4 réseaux distincts. Si je branche 4 câbles comme ça sur le gros câble directement, en fait, mes 4 réseaux électriques, si par exemple je faisais ça, eh bien, ces deux réseaux électriques sont interconnectés. Et du coup, là, je vais avoir de la surcharge électrique. Je vous invite, pour plus d'informations, à consulter ma vidéo sur le power transformer. Donc voilà, à peu près pour ce qu'il fallait savoir sur le gaz naturel. Après, les architectures et les possibilités sont nombreuses. Pour conclure cette vidéo, je peux vous montrer une armoire électrique que j'ai faite. Donc voici un exemple de grosse armoire électrique avec des multiples générateurs. Vous voyez, je mets toute l'électricité en commun de tous les générateurs et je priorise leur utilisation. Donc pour prioriser les générateurs, il suffit sur la batterie intelligente de mettre le seuil de déclenchement le plus haut possible. Donc la priorité 1 sera celui qui a le seuil de déclenchement le plus haut. La priorité 2 sera le deuxième seuil de déclenchement. Et le troisième seuil de déclenchement sera le générateur tertiaire. Ça veut dire que tant qu'il y a du gaz naturel, le générateur va maintenir la batterie à 95%. Donc les autres générateurs, vu que leur seuil de déclenchement est à partir de 50%, eh bien ne s'allumeront jamais. Et lui 30% encore moins. Et si les batteries ici qui sont toutes interconnectées tombent par exemple en dessous de 50%, l'hydrogène ça s'allume. S'il n'y a plus d'hydrogène, donc ça va tomber en dessous de 50%. Et dès que ça atteint 30%, ça atteint les générateurs à charbon. Donc voici, pour conclure, comment prioriser un ensemble de générateurs électriques sur un même câble. Donc sur ce, bah, je vous souhaite un bon jeu. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut.